Et voilà, salut tout le monde, nous de retour pour l'autre épisode, côté que nous avons parlé des couleurs de l'arc-en-ciel, couleurs qui effet couleur gain sous corps, qui effet couleur gain sous esprit, nous, qui effet couleur gain sous émotion. Nous. Donc, si c'est la première fois que vous entendez, non, mais c'est Astrid, moi je suis un psychologue d'expérience et de formation, et également, m'a dit que si vous appréciez le travail que nous avons fait là, justement, ben nous un petit coup de pouce et partager l'émission avec un autre monde, faire un autre monde connaître et ensuite inviter un monde plus qu'à s'abonner à channel là. Nous vous remercions d'avance et nous gagnons à cœur lorsque vous faites ça pour nous, nous apprécions. Donc, c'est à juste titre que nous pourrons poursuivre. L'autre épisode, ça, que nous allons parler, nous allons aborder, qu'on a là, la couleur verte. Couleur verte. Qui ça nous a dit de couleur verte? Couleur verte, li associée à la nature, à la fertilité, à la jeunesse, à la croissance, l'espérance, la santé, l'armée et à l'argent. Donc, à remarquer que l'argent qui fait plus parler dans le monde est de couleur verte. Le dollar américain, couleur verte. Donc, parler de l'armée, ou parler de l'armée le plus souvent, ou est-ce que vous gagnez un uniforme, c'est de couleur verte que lié. Ensuite, nous parlons que Léo parlait de croissance, les arbres sont verts. OK? Donc, l'appel de croissance, donc, nous voyons tout ceci. La santé, l'espérance est représentée par le vert également. Psychologiquement, qui ça vert fait sous nous-mêmes? OK? Il dit que vert là, il reflète les besoins d'épanouissement et d'estime de soi. OK? Pour qu'on ait valeur, qui m'ennuie, etc. Donc, le vert, c'est lui-même qui fait ça sous le corps humain. Le vert, tant à ben nous valorisation nous fait nous penser à valorisation nous qui ça nous vaut, ok? Et également li associé à la connaissance, ça c'est pour c'est le vert, ok? C'est couleur que nous cabri remarquer que un pharmacien yo porte sur un uniforme yo, ok? À part de si pas mettre blanc ou le que mettre vert dans sous yo ou le médecin yo gen blouse vert sous yo dans l'hôpital yo. Nous remarquons que les couleurs sont les nurses qui ont atteint nous, nous avons des couleurs. Pour qui ça? Parce que verlan, il a certaines propriétés physiologiques qui sont sur le corps humain. Et surtout, parce que verlan, si on couleur dans l'hôpital, si sans voler sous lit, il pas paraître très vif qui pouvait faire mon peu parce qu'il y a mon qui peut sans OK donc ça veut dire que si ou si sans ta volé sous uniforme vietnam donc il pas un effet qui tout gagne effet qui tout à fait néfaste sur le cerveau bien sur la personne parce que les antigènes bouffés et coule le sang OK so qui ça et physiologiquement qui sa couleur verlan fait sous nous-mêmes, sur le corps humain? Eh bien, nous voyons que verlan li gen vertu calmante. Li aide à équilibrer certaines fonctions physiologiques dans le corps, notamment que nous, okay? Poumon nous, système circulatoire nous. Lorsque on porte le vert, ou plutôt ou entouré de couleur verlan, donc nous déjà nous capables de dire que les ont un effet physiologique sur nous, les fait que nous et celle nous yo, ok, nous parler de cœur nous parler de poumon nous système circulatoire nous est que les porter de l'équilibre pour eux-mêmes. Également. OK? Ensuite, nous parlons dit que d'après certaines études qui faites, ils ont réalisé que couleur verlan les favorisait respiration lente et profonde. On nous dit que
Exemple, t'as pas le prendre pas vouloir prendre parce qu'il pas tellement approprié. Par exemple, si ou chita à terre, ou a fait méditation, OK? So, si ou son mat qui de couleur vert, li plus aider ou à gagner une respiration c'est-à-dire ou vinn atteindre respiration profonde là plus vite, OK? Et lente, li doit calmer. Par exemple, un monde qui gagne asthme, m'pa konn si nou réalise ça. Un monde qui gagne asthme, sou il y a aide ou plus ouais sou ta comme si calmer pour pas respirer trop vite, plus sorti que pour comprendre pour asthme pas plus attaquer ou. Ou pas le que yo mettez des choses vertes autour de vous même sometimes des fois yo gagne ballon qui a pompé un qui pour aider ou comme si pour aider respirer li de couleur verte. OK? So couleur verte là si on couleur qui ont tigeant reposante li aide ou li réconforte ou li aide ou à détendre nous même j'ai comme des bons exemples de couleur gazon OK qui aide ou pour cap relaxer lorsque ou coucher ou étant nous sur un gazon li permet que ou cap relaxer ou cap détendre nous très bien parce que li gagne un effet calmant sur lui-même symboliquement. Verlan, il représente espérance. Nous pouvons entendre mon avis ça. Espérance, il représente la santé, il représente la jeunesse également. Ok? Il symbolise le jeu, il symbolise couleur, l'étape de jeu. Étape. Il y en a plusieurs types. De, ok, on nous dit par exemple, mon swap v, ou on le jeu billard, bah comme ça, ou alors que table, you know, de couleur verte. Ça c'est juste un cabane ou exemple pour cap comprendre ça m'a dit là. C'est également le symbole de l'argent. OK? Au Moyen Âge, nous voyons que verlan était symbolisé par une couleur l'idée qu'on portait malheur. OK? C'était couleur pour superstition. Mais maintenant pays occidental, yo représentait l'argent par vert. OK? Couleur verte. Et comme expression positive, nous parlons dit que si on n'a pas la vie, dit OK, restez vert. Surtout de nos jours, nous avons des expressions ça côté qu'il y a parlé de et climate change, il y a parlé de climat, changement du climat ça, so égal, il faut encourager monde plus cap toujours été vert. OK? So ça c'est un exemple. Et puis il dit également tout couleur vert là, non seulement il y a la jeunesse mais également li porter l'harmonie, la stabilité. C'est le vert. C'est le vert, OK, c'est pour la fertilité également, OK. Comme t'ai dit avant, sous garder pied boyau qui vert, qui porter des fruits, donc égal, c'est la couleur de la stabilité, de la fertilité, OK. Mais dans le sens négatif, nous parlons que le vert est lié à la jalousie, au mensonge et au poison. Nous retrouvons comme expression négative, on va dire être vert de jalousie. OK? Ou plutôt avoir le pouce vert et la main verte. Ça c'est pour le vert. On nous poursuivre pour le bleu. Je parlais de bleu quand on couleur qui peut rappeler la paix, la fidélité, la liberté, la sympathie, la sécurité, la stabilité, également c'est la couleur de la science. Ça c'est le bleu. Bon, mentionne également la couleur de la fidélité. Il semble que me pas dit la fidélité. La fidélité et la liberté également, liberté. OK? Le bleu, il est lié également moi t'ai dit nous à la science, pas vrai? Il est lié également à la vérité et aux sérieuxités. OK, au monde qui est sérieux, on va pas le prendre le bleu. OK? Mais c'est aussi la couleur de l'immensité. Immense, soit regarder l'océan ou elle de couleur bleue, pas vrai? So immensité. Le ciel est bleu. Donc vous retrouvez grande quantité, richesse, abondance dans couleur bleue parce que non seulement nous est que ciel en bleu, alors l'océan, c'est océan qui bleu perce pour ainsi dire non, c'est parce que la couleur du ciel reflète sur
sur la mer, ok, sur l'océan. Maintenant, symboliquement, bleu li assimilé à la passivité, le rêve, la loyauté, la sérénité, la sincérité, la sagesse. Ça, c'est pour le bleu. Le bleu symbolise la paix intérieure. Vous avez remarqué que dans plusieurs drapeaux plusieurs pays, vous représentez, vous avez bleu là-dedans. Bleu signifie la paix. Bleu en lili, vous mettez ici, c'est un symbole de paix que vous avez. Aux États-Unis, nous voyons que drapeau américain, il y a bleu là-dedans, drapeau haïtien, il y a bleu là-dedans. Plusieurs pays ont bleu dans drapeau yo parce que il symbolise la paix. OK, il symbolise la liberté comme tu dis nous avant, de grand espace, de l'infini, ça c'est pour le bleu. Il symbolise également la vérité, la sagesse divine. Psychologiquement, qui ça bleu en fait? C'est une couleur relaxante que lui. Même j'ai quand vous verrez, bleu relaxant également. Il favorise détente physique au monde. OK? Physique et mentale. C'est pas seulement physique, non, il favorise détente physique et mentale. Il procure un sentiment de sécurité et de confiance. Physiologiquement, qui ça bleu représente? Qui ça bleu en fait physiologiquement? Eh bien, en médecine, il y a que bleu en les conseiller pour calmer les négativités. Il a également pour calmer les névralgies, ok? Il pour calmer l'asthme, comme d'un bon exemple dans ta lune là, l'asthme, rhumatisme, monde qui a une crise nerveuse à cause de propriétés analgésiques que bleu en gagne et antispasmodique. Je m'excuse. Donc, à cause de propriété, ça que bleu gagne. Donc, c'est ça qu'elle conseillait, surtout lorsque monde a fait face à douleur, ça que m'a dit, non, la rhumatisme, ou bien monde a gagné asthme. So, le bleu, il est très conseillé. Dans l'autre culture, par exemple, en Chine, ou alors que le bleu, li, c'est un signe d'immortalité, ça. Mais, nous pas croyons dans ça, parce que. L'être humain meurt, ok? Pour eux-mêmes, c'est sainteté que ça est, ok? But yet, li vraiment représente sainteté, par exemple, dans la culture juive, là, la couleur bleue, li représente la sainteté de l'éternel, vous serez, je suis saint, nous appelés à Jésus, Dieu dit que li saint, li appelé ses enfants à être saints également. Et puis nous pas remarquer également que lorsque Moïse était monté sous montagne pour aller chercher pour aller chercher 10 commandements mais bon Dieu les bon Dieu dit taillé pierre là sous pierre que Moïse était taillé hein, c'est à partir de la montagne et la montagne qui est faite au haut de la montagne bien sûr c'est là que reposait le trône de Dieu ok et puis couleur stone couleur pierre que l'été propulsé cap taille pour faire 10 commandements c'était lazuli lapis ou encore couleur saphir bleu ça que nous parlions là pigment bleu ça par excellence lila pour les capables non seulement son couleur la précieuse. Ce sont des couleurs qui sont très rares, mais également roche là, c'est un roche qui est très 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 précieuse. Soit les en Israël qu'on y a là où t'as mandé pour l'azuli, la piste là, les très c'est un roche qui est très coutumier. Mais cependant, comme on t'a dit comme ça que les gain pile valeur, les coûter plus cher que l'or que ouais mon mettez barre diamant, tu vois, les coûter beaucoup plus cher que barre ça parce que c'est un stone qui vraiment cher que lié. OK? So nous dit que deux tables de pierre t'es tracé à partir de t'es coupé à partir de couleur bleu saphir ça. OK? Et puis également alors tout ça me dit là parce qu'il faut qu'on bonne une petite référence tout nous venons ça dans Exode 24 verset 10. Côté que lorsque il rapporte qu'il dit comme ça que il vit Dieu, c'est-à-dire que en 70 anciens qui étaient montés ensemble avec Moïse issus de la montagne là, OK?
Yo te rete au bas de la montagne, puis Moïse monte plus haut, mais yo dit comme ça que il vit au Dieu. C'est ça, verset 1 dit. Yo dit comme ça que il vit au Dieu, le Dieu d'Israël, sous ses pieds était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Dans Ézéchiel 20, verset 1er, côté la décrit trône bon Dieu pour nous, il dit, je regardais et voici, sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins, il y avait comme une pierre de saphir. Donc on est que bon Dieu, lorsque la palais, il dit ça, que l'y montait sur les chérubins. Ok? Donc, il dit que en bas, chérubins, il dit ça, que yo ouais que c'était de couleur de pierre, de saphir que l'était. On voyait au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. Ça veut dire que trône, bon Dieu, parce que l'a décrit pour nous dans l'Apocalypse également, nous voyons ça dans Ézéchiel 1er verset 26, tout côté, il a dit ça, qu'au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Fils de l'homme, nous connaissons qui m'ont nié, qui placé sous lit, et puis il parle nous du trône, définitivement le trône de Dieu. Si nous allons dans Apocalypse 4, verset 2 et 3, et lorsque l'a décrit pour nous le Fils de l'homme qui a passé entre les chandeliers, et entre, oui, dans le chandelier, hein, ok, Menorah, il dit nous comme ça que aussitôt l'apôtre Jean décrit pour nous, il dit aussitôt je fus ravi en esprit et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect de d'une pierre de jaspe et de sardoine et le trône était environné d'un arc en ciel toute couleur, ok, toute couleur que nous parlions déjà en voyant ça que nous pouvons parler après, semblable à de l'émeraude. Donc en nous gain ça également plein verset qui pour décrire ça que me dit là nous venir dans Nombre 15 38 à 40 également plein d'autres endroits côté que vous parlez de décrire trône de Dieu qui couleur de me parler nous avant du commandement de Dieu qui de couleur bleue lui dit écrit sous trône bleu en frange qui peut dans rad, et les fils d'Israël fait pour frange, fait pour un bleu, pour rappeler des commandements de Dieu. Anyway, comme expression positive, nous allons dire comme ça qu'on dit être fleur bleue, c'est-à-dire être romantique. Ou bien, il y en a dit avoir le bleu. L'on parle de monde qui a nostalgie, il dit, she has the blues, you know, so the blues, être mélancolique, ok, ou encore avoir le sang bleu, ça sont monde qui comme si négatif, ça c'est un aspect négatif, ok, so, ça pas dit là, you know, cold blood, blue blood, ok? So, on bonne bataille comme si ça pas me dit mon nom, ça c'est une expression négative, ok? Bon, ça fait partie de l'expression négative, ok? On peut également dire que, comme tu as parlé de blue blood d'allure là, c'est-à-dire que si bleu est utilisé en trop grande quantité, donc il vient dans nos foies. Ok, rappeler, faire appel à la solitude, à la dépression, à la mélancolie et à la passivité. So, un monde qui souffre de dépression, maladie dépression, monde ça ou pas capable et habillé ou en bleu, parce que il met en plus de tristesse, en plus de désolation. Donc c'est à éviter lorsque un monde on en phase ça. Ok, so prochainement nous allons aborder couleur violette et puis et autres. Donc nous allons nous rendez-vous pour une prochaine fois dans l'autre épisode là que nous allons guérir. All right, à plus.